Allez, bienvenue à vous, premier stream de Project Zomboid. Donc j'ai une petite map avec full mode, perso, avec plein de trucs sympas, des nouvelles zones, des nouvelles armes, des nouveaux trucs à faire. Donc c'est une petite que j'héberge, je joue avec deux petites personnes, on va s'amuser un petit peu, et là aujourd'hui on va continuer le ménage de la prison. Donc ça va tirer dans tous les sens, il y aura du zombie mort de partout. Ça va signer le temps que le petit serveur se lance, vous inquiétez pas, ça arrive. Et c'est parti, je suis dedans. Bon, bah déjà ça craint. Il y a des zombies qui m'arrivent dessus. Ok, vous pouvez vous connecter, je vais garder les lieux. Pour que vous puissiez venir tranquillement. Ok, la petite carte du mode. On voit du full mode.
essayer d'économiser un peu les munitions. Merde. Allez. On va recharger le flingue. Ok. Faut récupérer tous les étuis parce qu'après, faut refaire des munitions. Alors. Vous arrivez ou pas à la base? Je suis tout seul. Bon, j'ai rechargé. Allez, dépêche-toi. Lui, il y a un nuage dans le dos. Ça peut te servir une petite hache. Une petite hachette. Plus de place dans le coffre. Il y a de la place encore. Est-ce que je vais pouvoir mettre la hache? Je peux pas mettre la hache, il y a plus de place. Dans la remorque, il y a de la place. Qui bug là. Donc là, on est déjà venu la dernière fois, donc on a quand même fait une petite partie. On a fait l'entrée de la prison, le couloir. On a fait cette zone là, en partie, pas entièrement. On a fait cette zone là, l'accueil là. On a commencé à rentrer un peu là et on s'est fight dans ce couloir là. Mais il y a des prisonniers de partout, c'est. Il y a des monstres, des mecs de partout, c'est hyper chouchou. Bon, on a une et où la deuxième? Se connecte ou pas? Me répondre quand même un petit peu, quand même savoir si vous êtes là, vous vous connectez ou pas. Ah, ça y est, allez récupérer des munitions pour si vous en avez plus assez. Boîte. Faudrait une boîte de mun en plus là. Si tu veux prendre un fusil à pompe, il y en a dans le véhicule. C'est une machette qui fait super mal. Il y a une machine qui fait hyper de dégâts là. La UVSR Taiga machette fait plein de dégâts. Si tu veux. Merde, pour de touche. Il y a un shotgun. Il y a un shotgun là. Chiapa Arms, ça c'est un fusil à pompe.
5,56 en plus, hors des munitions en plus. Voilà. Il nous en faut des munes. Dedans, c'est carnage de story dedans. Sinon, dans la remorque, est-ce qu'il y a... Il y a le TOS 194, ça aussi c'est un fusil à pompe. Après il faut trouver les munitions, je sais, il y en a normalement, mais bon. Des cartouches de calibre 12, il n'y en a que 10. Ah, il n'y en a pas beaucoup des cartouches de fusil à pompe, donc c'est comme tu veux. Qui c'est qui a pris fusil à pompe? T'as trouvé des munitions qui vont avec? Bah réponds. Dis oui ou non. Pourquoi vous... Faut me répondre. Non. T'as trouvé des munitions? Non. Il y en a dans la remorque. Je sais pas lesquelles. Calibre 12. Oui. Il y a 10 cartouches de calibre 12. Là. Tu peux me poser par terre, s'il te plaît? Elles sont par terre. Prends-les, normalement, elles vont dans ton arme. Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres? Eva, tu peux regarder s'il y en a d'autres dans le... Dans le coffre? Non, dans le coffre, genre... Ouais, dans le coffre, ça, genre dans la remorque, j'en vois pas. Non plus. Et on va aller voir à l'intérieur, là, il y a l'armurerie, on va aller voir. Il doit y en avoir en haut, venez. Je peux prendre un pistolet, hein. Non, mais viens, il y en a à l'armurerie. On va passer par cette fenêtre là. Une minute. Que j'aurai juste l'entrée, le couloir. Si c'est toujours clair de zombies, ça va monter à l'étage. On va aller voir à l'étage à l'armurerie là, qui est à l'entrée. Il devrait y avoir du calibre 12. Vous êtes là toutes les deux? Je sais pas. Voir l'armurerie là, montez à l'étage et vous rentrez, il y a une pièce là. Ah bah c'est bon. C'est où? Il y a du calibre 12. Vous rentrant. Êtes où? Il y en a. Oh, ça a été même rechargé. Ça a tout repop déjà. Là il y a une caisse entière. Je vais la mettre par terre là. Par terre, il y a une caisse entière de. Il y a 5 boîtes de cartouches de calibre 12. Prends-les dans la caisse là par terre. Et normalement. Eva, nous, c'est du 5,56. T'as ça aussi? Ouais, ouais. Donc 5,56. Est-ce qu'il y a une caisse de 5,56? Ouais, là, il y a une caisse de 5,56, je la pose par terre devant, là. Tiens, une caisse de 5,56, tu peux prendre des munitions. Ouais, mais c'est bon, j'en ai déjà beaucoup. D'accord. Donc là, bah, l'armurerie, elle est là. Si on n'a pas besoin d'aller à la voiture pour se recharger. Il y a même au taquet de... Il y a au taquet de munitions, au taquet de trucs, tout est revenu, là. Déjà. C'est rapide.
On y va? S'il faut, c'est ici qu'on viendra chercher des munitions. Ok. Attends, On va passer par là. Mais attends, attends. Si, elle est à côté de moi, Jeanne, non? Bah non, c'est moi qui est à côté de toi, justement. Ah, c'est bon, elle était encore à l'étage. Parce que je vois son nom à côté de moi, c'est pour ça. Non. C'est bon. C'est bon? C'est bon, c'est bon. J'entends un zombie, je crois. J'entends les zombies. Ferme la porte derrière, ferme la porte derrière. Là, avec le fusil à pompe, tu vas faire un carnage. C'est que ça s'allume là. Ferme la porte derrière, voilà. Attends, la lumière est de l'autre côté de la porte, je crois. C'est l'autre pièce, non? Ah ouais. Ça s'éclaire où ce machin là? Eva, tu restes encore à corte. Ok. Une minute, papa. Hein? Une minute. Ouais, elle recharge. Ouais, j'ouvre une boîte pour recharger en fait. Ah oui, oui. Il y a des zombies dans les cellules, normalement. On va aller les tuer. Il y a tes... Là. Là, il y en a un. On va tuer le tranquille. C'est bon. On va les tuer comme ça discrètement. On va faire le bas d'abord, s'assurer qu'il n'y ait personne. C'est bon. Il y en a un par là, je crois. Il me semble qu'il y en avait un. Il y en a en haut, je pense. Ce que... Ah, il y en a là. 2, 3. 3. Ouais. Il y en a à côté. 4, 4. Oh, bah, attends, ça fait beaucoup là. Il y en a 2 à côté. Bon, alors. Je peux pas leur tirer dessus à travers la porte. Allez vous mettre vers le fond là-bas. Je vais ouvrir et puis je vais courir vers vous et puis on les dessoudera. Ok. Allez, feu! Ouais, stop! Tiens pas plus qu'il nous faut. Et assez. Ok, il y en a. Prêt? Oh merde! Fait mordre, ça a été chaud. Je suis rentré dedans comme un idiot. Il y a des zombies aux fenêtres à l'extérieur et des zombies qui arrivent. Ah, il y en a qui arrivent. Derrière aussi. Ah oui, un derrière. Là, j'arrive pas à les tuer là. Ah, ils ont dû descendre des escaliers. Il y en a qui arrivent là. Ah non, ils sont au-dessus. C'est dommage qu'on puisse pas allumer la messe. On ne voit que dalle. Attendez, je change de charge, je recharge.
Ils sont où les escaliers? Ah, ils sont là. On n'y voit rien dans le noir. Ah, il y en a là. Dans les cellules. Ah, bon, là on y voit bien. Ouais, on va les faire. Tu vas les faire à la. En discret, Eva? Ok. C'est bon. Allez, on fait tout le tour pour être sûr. Parce qu'on entend, il y en a quelque part. On va aller par là. Ah, zombie. C'est bon. On va péter la porte. Attention. Inala. Jeanne, regarde à gauche toi. Eva, viens à droite là, tu es celui qui est là. Oula, c'est grand ici. On va d'abord faire les couloirs, on ouvrira les portes après. Oui. D'abord les couloirs pour s'assurer qu'il n'y ait personne dedans. Et les escaliers à gauche. Il y a une salle là. Rien. Attends, il y a un coffre. On peut pas l'ouvrir ce coffre. C'est que du décor. C'est bizarre. Ok, c'est pas grave. Ok, on va continuer le couloir. Ah, zombie. J'ai des munitions, je crois. Ah, 3. Ok. Attends. Attends, tire pas. Ils viennent par un, donc du coup, on les fait un par un. Ok. Allez, suivant. Jeanne, surveille la porte à gauche. Ah, ah! La porte. Il n'y a que derrière la porte. C'est Spider-Man. Non. T'es prêt? Ah. Non mais... C'est bon. Un joueur de... Ok. Maillot de football américain. De football américain. Ah, et le zombie il est passé par la fenêtre, je crois. Ah, buvez un coup là. Profitez-y. Ok, referme la porte après derrière nous là, on ira faire ça plus tard. Il y a une porte, ouais. Il y a d'autres prisons, on va pas les faire. Attends, il y a quelqu'un qui manque. Hein. On va d'abord faire ce qui est par ici, on va aller voir ce qu'il y a derrière. Ok, là il y a rien, je pense que c'était là. Bureau du directeur. Je pense qu'il y a des zombies là. Ah, un là dans le couloir. D'abord les portes avec des fenêtres. Est-ce qu'ils peuvent nous voir au travers? Il doit y en avoir dans les chiottes là.
porte qui est cassée là. Ah, oula, c'est quoi ça? Je comprends pas. Peut-être qu'il y a à manger là-dedans, regarde. Viens. Ok, ouais, les toilettes là, rien. Les toilettes là, rien non plus. Oh merde, j'ai appelé. Ok, on va retourner sur la gauche. Là, il y a des bruits de télé. D'ailleurs, des trucs là. Ah, une réserve. Boîte de clous, boîte de vis. Ouais, bon, rien de bien utile tout de suite. Ça, c'est un couloir. Attends. Ah, c'est le PC sécurité. Il doit y avoir du Z là, parce que. Oula. Ah, c'est des chambres de repos du personnel. Allez, on fouille tout ça. Il y a une qui est ouverte. Des zombies dans le couloir. J'entends pas, j'entends que t'as parlé. Attends, tire pas, attends qu'on a posé, on tire pas. Je passe aussi à l'arme blanche du coup. Attention. À gauche, chérie. À droite, il doit y avoir des trucs, j'entends. Oh, il y en a trois. Eva, t'es prête? C'était chaud là. Ah bah on a fait le tour. Ah ça sort où ça? Où? Oh purée, il était où lui? Je sais pas. Ah on est sur... Ah, ah zombie! Sur le toit! Gaffe pas zombie par contre. Il y a une tactical tomahawk. Ah il y a des zombies sur le toit. Tire! Non, non, non. Il n'y en a qu'un, on va le faire à la... On va tirer le verre brisé, si on s'y place, on se baisse. Fais le tour du toit. Ok. Juste pour s'assurer qu'il n'y en ait pas d'autres. Ah, un grand réfectoire. Ah, c'est un grand réfectoire, ça. T'as trouvé les cuisines, du coup. Des zombies dedans. Ouais, attends, on finit le tour. Oup, ah, je fais tomber du toit. Attention. Ah. Il y avait une porte ou c'est que des fenêtres? Et que des fenêtres. On va faire le tour. Il y a un peu beaucoup de zombies quoi. J'ai entendu une fenêtre se casser. Il y en a beaucoup? Dans la cantine, un peu ça va. Ok. On doit trouver à manger là. Ah, justement, il y a... ah oui, on voulait faire. Est-ce qu'on fait ce qu'on a dit? On fait l'extérieur, on retourne dehors, on fait des trucs avec les voitures? Ouais, non, mais vas-y, on... Je sais pas, c'est comme tu veux. Bah là, on sait, on tue ceux qui vont venir de là.
Ah ouais? Ouais, je crois. C'est de là d'où on vient, hein. Restez en arrière, je vais ouvrir la porte. Ouais, je crois que c'est ça. Non, elle bouge pas. Je crois que c'est une autre. Non, c'est pas là. Ah ouais. C'est juste parce que c'est la meuf qui dit juste. Ah, l'infirmier. J'ai un infirmier qui arrive. On va rester là. Non, je sais pas qui. Viens, tu peux regarder par la fenêtre si ça s'ouvre. Allez. Ils ont bougé dans le... Ou alors on rentre dans le... On casse la vitre. À la hachette là. Je vais casser la vitre. Pas par là. Pourquoi? Parce que là, il y a trop de zombies, on fait plus vers le bas pour qu'on ait le temps de... Mais non, on risque de se bloquer, nous. Ouais, d'accord, si tu veux. Allez.
Fenêtre du bas. Ah ouais, mais attention, tout en bas, il y a des... Attends. Non, je peux casser la vitre, normalement. Attention. Moi qui viens de faire. Ah, j'arrivais pas à le faire, je crois, en bas. Et clic droit et tu casses. Tu fais casser la fenêtre. Attends, ça les a excités de l'autre côté. Je rentre. Ah, aïe! Rien dehors. En fait, on est tombé d'un étage. Aïe! Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est plus bas. J'avais pas compris. Bah, moi non plus. Alors, on trouve piégé dans le bâtiment, du coup. Non, c'est pas grave. On peut pas ressortir, ouais, surtout. Et j'ai pas fait gaffe que c'était en dessous, en fait. Faites attention, on va s'éloigner des fenêtres pour éviter de se faire avoir. Et... On va se mettre plutôt vers le milieu, là. Et là, il y a la lumière là-bas. Je vais allumer la lumière là-bas. J'ai pas envie de courir, on a méga mal. Ah oui, c'est vrai. Peut-être qu'on pourrait faire une pause. Ben là, on fait une pause ici. Ouais, mais là, il y a des zombies là-bas. Attention, reculez. À la main, là, ouais. Voilà. Discrètement, c'est parce bon. Que... Il y en a un qui est rentré là-bas. On va essayer de les faire discret. Ils sont trois. Oh fou, il y en a qui arrive, j'en ai vu à travers le... Oulala, bon, arme à feu. Fusil à pompe et tout là. Pinaise. Fusil à pompe, il est efficace hein. Attention, il y en a encore là. Attends, ouais. Eva, vas-y. Fusil à pompe que sur les grosses hordes. Fais. Essaye de faire que sur les grosses. Quelqu'un qui mange quelque chose? Moi. On va aller voir, il y a les cuisines, toi, ça me parle. Attendez, je recharge. Profite qu'il fait une pause. Dora, tu cliques sur la table, tu fais se reposer et ça va méga vite. Ah ouais? Genre, c'est comme si tu dormais. Ah, on peut pas revendiquer la prison parce qu'ils considèrent pas qu'il y a des chambres. Bon, de toute façon, j'ai pas intention de la revendiquer. Non, mais c'était pour essayer. Ah oui. Et la cuisine par là. On peut pas enjamber là, merde. Bon, on va passer par le couloir là. Ça tape aux portes. À la main. Il y a un zombie. Oh là là, attention, il y en a plusieurs. Recule. Oh là là, dans la pièce, on parle. Ah, on abandonne les discrets. Ok. Ouais, on abandonne la discrétion là. Est-ce qu'on se remettrait pas dans le réfectoire? Recule un peu là, recule, Jeanne, recule. Tire pas trop. Attends, toi. Il y a le paquet qui va arriver, Jeanne, toi. J'ai rechargé là. Ah, ok. J'en ai. Attends, toi, attends qu'il soit toi un gros paquet en même temps. On peut pas ouvrir la porte, on l'attend que ça casse. Quand ça cassera la porte, vous me laisserez tirer, hein. Je recharge. Je recharge aussi. Bon, bah, je me débrouille, hein.
Ok, j'ai un nouveau chargeur. C'est bon. Attends, toi tu feras la... Je ferai la grosse porte qui va s'ouvrir. Ouais. On te laisse la grosse porte. Nous on surveille le reste, attends. Je ne garantis pas que ça va tuer tout le monde. Il y en a dans le couloir à gauche. Merci. Vitre. Ah, oh là là, il y en a plein qui arrivent là. Bon, il faut qu'on se barre. On va chercher des munitions. Par là, avec moi. Oh. Oui, on est là. On trouve une sortie par là. Ils arrivent un peu beaucoup là. Par là, voilà. Ouais, c'est bon. Attends, porte de là. Oh non, merde! Allez, parle. Oh merde, encore une. Ah, il m'a mordu, merde. Jeanne, où c'est qu'il y a en arrière là? Viens, rampe. Moi, je suis là. Et va, ferme la porte derrière toi. Ok. C'est bon, c'est là, on peut ressortir. Ok. Par ici. Ah merde, il y en a un nouveau là. Venez là quand même. C'est bon. Ferme la porte derrière. Ferme les portes derrière, qu'il y en a encore. J'ai déjà fait ici. Ouais, là, on est près de l'entrée, là. Près du hall d'accueil. Attention, il y a deux entrées dehors. Ouais, on va retourner à l'armurerie chercher des munitions. Devant la porte, personne. Ok, on va passer par là. C'était... Mince, je suis allé dans le... Hein, attends, on passe pas. Ah non, faire le tour. Il y a une porte. Si, il y a une porte. Hein? Là. Regarde. Attends, il n'y a pas de lumière là? Non, on n'y voit que dalle. Je vais éclairer, attends. Voilà. Voilà. Ah bah, distributeur pour manger. Oh. Ah non, il y a une canette de soda. Ah bah. Mais prenez quand même là. Mais vous prends l'avez la. Pas pris. Bah, prends-la. Attendez-moi. Allez, par ici, là. Voilà. On va retourner à l'armurerie chercher des munitions. Ça y est, trop de zombies, on pouvait pas. Moi, j'ai déjà... Il faut que j'ouvre plein de boîtes, encore. Ah Eva, tu voulais des munitions de 5,56 ou pas? C'est bon, j'en ai moi. J'ai des milliers de cartouches pour le fusil. Hein. Allez. Je recharge. T'es où? Attendez, je charge mes armes. Ok, c'est bon, j'ai plus de munitions aussi. Il est où? Oh. Attends, on va faire l'extérieur. Ok. Ouais. Indiscrétion pour l'instant, si possible. Ah, ok. Tant qu'on peut, on tire pas. Ok. Allez, Eva, Jeanne, tu nous surveilles derrière toi. Pendant que nous, on fait. Tiens, on va faire ce truc de dégâts. Il y a une voiture de police là. Avec les voitures de police, on peut faire. Il y a plein de véhicules là, vous voyez?
Avec tous ces véhicules, on peut faire des... Un leurre. Un leurre ou un mur aussi. Ouais. Pour fermer des trucs, pour éviter qu'il y ait des zombies qui arrivent. Allez. Gros cul de jeune. Ah, il est pas mort, il est pas mort. Il a disparu. Hein? Bah, je sais pas, j'ai mis un zombie à terre, il est pas mort, il a disparu. Ah, il y a des boîtes de cartouches. Ouais, mais pas ce qu'on a. Si, il y a du 12 mm pour jeune. Ah, ok, j'ai pas fait gaffe. Pilet. Et là, tu peux essayer de démarrer les voitures. Ok. Oh, regarde, papa, j'ai un truc. Surveiller les zombies, hein. Oui, on surveille les zombies, jeune. Salut papa, j'ai un truc, un accessoire. Oui, si c'est le capot. C'est là derrière. C'est bon, c'est démarré, je fais quoi? Passe à la suivante. Okay. On va faire le camion de SWAT aussi. Et bah t'ouvrira aussi les portes. Donc pendant ce temps-là, on surveille. Moi j'ai envie de peut-être changer d'arme, genre avant la narshot. J'arrive pas à démarrer la deuxième. T'as ouvert au moins le coffre? Oui. Le SWAT, on va aller au véhicule du SWAT. Ok. Attendez, attendez, on n'a pas ouvert derrière. Mais attendez, il y a des boîtes de cartouches. Oui, mais on tue les zombies. Oh, j'ai mal. Ah, oh, là, je vais être trop lourde. Oh! Oh, dis-moi tu peux où tu peux le faire. Ça va, viens voir les munitions. C'est bon. Ah cool. Oh, est-ce qu'il y a combien de places par contre? Oh, il y en a 6. Anti Riot Shotgun. Attends, je monte dans le camion. Papa, tu me bloques un petit peu. On va prendre le véhicule de SWAT. Alors attends. Trop cool. Mais on prend à la base, hein. Non, mais là, je voudrais les utiliser pour faire des barricades, pour fermer. Ah, tu prends pas pour la base? Non, mais là, on va aller chercher un troisième véhicule. Venez de l'autre côté. Tu veux fermer l'entrée là? Avec les véhicules de l'autre côté, on va essayer de fermer. Ouais. Attends, il y en a plusieurs là. Moi, je suis nul avec ça. Moi, c'est un petit pistolet. Il peut tirer. Non, mais tirez pas, sinon ça va tirer les autres qui sont dedans. On va essayer de pas tirer pour l'instant. Tant qu'on peut faire. On est en extérieur, on est en ouvert. Donc, on peut les taper sans trop. Que je sois assez discrète. C'est bon. Jeanne, derrière toi. On va essayer de taper ceux qui sont là. Discret. On va essayer de prendre les voitures qui sont dans le parking. Celle-là, peut-être, elle a l'air assez résistante. Laissons essayer hein, de débloquer tous les véhicules. Ok. Coffre, papier toilette, élastique bâche, bouteille vide. Ah, mais c'est cool les bouteilles. C'est bon. Ah, il est plein de matos le. Ah ouais. Camion de. Ah oui, d'accord.
David, c'est bon le 4x4 là. Essaye de démarrer le camion là. On va essayer de voir si on peut pas démarrer le camion qui est là-bas aussi. Le camion, il a les clés. Ah, mais cool. Il y a un camion bleu là. Un gros camion Ben, on va essayer de le prendre aussi pour bloquer l'entrée. Ok. Ce qu'on fera, c'est qu'on prend le 4x4, on le rentrera. Le véhicule de télévision et le grand camion, ça servira pour bloquer les... Ça servira pour bloquer l'entrée, il faut voir qu'il y ait des zombies qui rentrent de l'extérieur. Ah merde! Yeah. Je vois pas dans le véhicule, j'arrive pas à le taper quoi. Ouais, c'est chiant. C'est bon. Ok Jeanne, toi tu vas prendre le 4x4. Moi je prends le camion. Voilà Jeanne, tu rentres avec le 4x4, tu vas te garer à côté du véhicule de SWAT. Et rentre à côté du véhicule du SWAT. Et nous on va mettre... On va longer le grillage, on va se garer le long du grillage pour bloquer l'entrée de la prison de l'extérieur. Ok. Par contre, c'est pas suffisant pour bloquer. Hein. Si, si, vas-y, avance. Avant ça touchait mon camion. Ça passe là. Non, ça passe pas, tu vois. Ah si, ça passe derrière. Et je vais manœuvrer moi. Tu sors dans l'herbe. Attends, je vais déteindre le véhicule. Au pire, on cale une autre voiture derrière, c'est pas grave. J'avoue. Là, est-ce que ça passe devant? Non. Attends, laissez-moi faire. Rentrez, vous. Rentrez dans la prison. Ah oui, je suis coincé par contre. Là, ça passe pas. Mais tu rentres dans une voiture et tu passes dans la caisse. T'arrives pas à passer dans la caisse? Mais non, tu rentres dans la voiture, tu changes. Non, mais là, pas. Ah, bah touche à rien, ça, on peut pas passer. Bah, c'est bon. Tu vas, rentre dans la voiture, tu t'éveilles et tu peux sortir. Tu vois très bien qu'il y a des portes à côté. Oui, j'ai compris maintenant comment faire. On traverse à travers le véhicule. Ok, cool. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le 4x4, le SWAT et le véhicule de police. Et on va aller à l'arrière, vers les cuisines. 4x4 moi, je prends le véhicule du SWAT. Il va prendre le véhicule du SWAT, c'est le plus résistant. Moi, je prends le 4x4. Je prends juste le véhicule que personne ne veut, quoi. Ah. C'est bon, il est nickel. Oula. Ah, attention. Tu vois, pourquoi tu vas écraser les trucs? Non mais venez derrière. Ah. On te suit. Pardon madame. Parfait, je prends tout de cramer. J'ai peur d'aller plus vite qu'Eva. Il y a tous les zombies qu'il y a là. On va faire une barricade. Faut qu'on trouve une porte à l'arrière là. On va faire une barricade avec. Ici là, je crois qu'il y a des portes là. Ouais, on va faire comme ça. Allez. Tu mets mon véhicule entre. Ben toi. Rentre dedans avec le véhicule SWAT, Eva. Ouais. Jeanne, rentre à pied, je vais garer le 4x4. Jeanne, Eva, tu fais demi-tour. Face à repartir et tu te colles devant les phares de la voiture de police. Ok, il pense qu'il y a un Z. Hein. Ouais. Il y a un Z. Mais Jeanne, elle va s'en occuper. Mais vas-y, je le fais. Jeanne, on a besoin de toi. Quoi?
C'est bon, il est mort. Ok. Il faut que tu te mettes près des phares de Eva. Je suis pas assez près là. Non, faut que tu te mettes devant le véhicule, dire entre le, faut que tu te mettes entre un. J'ai pas compris, ok. Oh, j'ai calé. Attends. Recule. Ok. Ok, garde-toi devant le 4x4. Faut que tu bloques, voilà, que ton véhicule en fait on puisse traverser, mais. Ok, stop. Vas-y. Oh, on pourra quand même traverser, hein. Oui, mais attends. C'est bon là? Bah, ouais, sors. Sortez, allez à l'arrière. Éteins-le. De quoi, de la voiture de police? Non, allez, allez à l'arrière des véhicules, dans la petite cour qu'on vient de bloquer là. Ouais, c'est bon. Il a arrêté le véhicule du SWAT? Oui. On peut pas passer, c'est bon. C'est quoi le véhicule qui marche encore? En fait, j'ai peut-être pas éteint celui du SWAT. Ça se voit, les lumières sont encore. Ouais, mais tu peux plus rentrer dedans. Bah, si, regarde. Ah oui, par l'arrière, tu peux passer? Ouais, par l'arrière, ouais. Ah, j'ai envie de les éteindre. En vrai, tu peux mettre des gyrophares et tout, et y a peut-être tout le monde, hein. C'est bon? Non. Mais on fera ça, peut-être. Vraiment, tous les zombies, ça. Voilà, c'est cool. On va aller voir. Oh mince! C'est pas grave, on va aller voir s'il n'y a pas des trucs derrière, là. On est là. Ici, là. Ah, c'est ceux que j'ai tués d'en haut, tu vois. Ouais. Cool. Est-ce qu'on a les clés pour rentrer? Bah oui, moi j'en avais avant aussi des clés pour rentrer. On ferme? Et rentrer, fermer, ouais. Attention, et la porte elle bouge pas, ouais. Eva. Mais non, mais c'est bon. Non, mais préparez-vous à sortir dans la cour plutôt. Allez dans la cour dehors, allez dans la cour extérieure. On va pas s'enfermer dans une pièce. Ouais, bonne idée. Voilà, sortez, cours. Ça va, il n'y en a qu'un. Non. Il y en a deux. Il y en a plein. Laissez-les venir. Ok. Tape-les à la main s'ils arrivent un par un, s'il te plaît, pour l'instant. Oh, mais ouais, mais c'est un truc du toit, tu vas casser mon arme. Non, c'est bon. Allez, un par un, recule après. Parce qu'il y en a plein d'autres, hein. Et il y en a un autre qui arrive. Encore. Attendez, parce que là c'est. Oh ouais! Quoi? Attends. Ah. Ah bah voilà. Je trouve toi énorme à la main. Je la jette, hein, ça sert à rien. Non, on peut la réparer. Ouais, mais la réparer, t'as bien vu qu'on la répare jamais beaucoup, quoi. Ouais, mais y'a du Rio Tape dans le véhicule de police, dans le coffre. Mais c'est bon. Ok, allez. Attendez, parce qu'il y en a beaucoup. Non, laisse pas fermer laisse la porte ouverte. Ah oui, c'est vrai. Ah merde. Laisse-moi tirer. Parce que je peux pas, en fait, c'est les gens. Sinon, on les tape au fusil, tant pis. Hein. Mmh. Allez, on court vers le fond de la pièce là-bas, et après on se retourne et on les tue. Ça va, il n'y a pas. Ok, il n'y en a pas beaucoup. Oh, il y en a un. Oh, il y a un truc qui fait de la boxe. Un gars qui fait de la boxe. Ah, attends. Il n'y a qu'un là. Il avait le visage couvert. Tire pas. Voilà. Ah, c'est un gars qui se fait opérer. Ferme la porte. On est à la laverie. Ouh.
Ah, on peut genre juste se reposer pour se. Oh, je vais mettre quelque chose. Ah, Il mais faut. il y a des habits dedans, il y a des habits. Faut que je boive un coup. Chemise, pantalon, robe, mais blague. Ah, j'ai un drap. Si vous voulez laver un peu de votre matériel. Ouais, parce que. Évitez de laver vos habits par contre. Avec tout ce qui est équipé? Non, 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 non. bah non. Tu laves les fusils. Tu laves le casque, tu laves les bottes, tu laves. Mais lave pas le. Lave tes chaussures. Et lavez pas les habits parce que sinon vous allez être mouillé. En fait, plutôt, en fait. Attention parce que. Peut-être qu'il y a des zombies qui tapent. Ouais, il y a un zombie qui tape. La porte, elle bouge là. Ouais, elle tape. Ouais. Ah, j'ai fini de remplir. Voilà, moi on est un Alors, peu plus propre. comment il ressort? Ah, c'est un prisonnier. Petite crise. Ah mince! À la main, Eva, tu. Bon. Bah c'est là où on était. Oui. Ah bon? Ouais, le carnage qu'on a fait au bout. Salle de sport. Ah, ils sont à la. Ah, à la fenêtre, ils tapent. D'accord, ok, on s'en fout. Attends, attends. C'est quoi ici, là? C'est des vestiaires, je pense. Attention. Des douches. Douches pour les prisonniers. Papa, regarde de l'autre côté. Ok, ça, c'est les douches. Oh, c'est trop bien fait. C'est trop beau. Attends. On va les tuer ceux qui sont là, là. Les deux qui sont là? Ok. On va les tuer à la main, sans faire de bruit. Eva. Attends, je pense que je suis coincée. Ah bon. Tire pas, jeune. Ouais, au cas où. Voilà. Là. On dirait genre quelqu'un qui est venu rendre. Ah oui, après ça, on était. Attends, retirez les verres brisés des. Retirez les verres brisés des vitres avant de passer. Ah mais Comptez vous c'est faire. bon, je vais venir avec un truc qui a déjà été un peu. Pourquoi j'arrive pas? Là, il y a une salle de lecture. Ah c'est bon. Mais regarde quand même dedans, c'est pas. Attention, il y a une porte à gauche, faudra faire attention à la porte à gauche. Oui. Bon, c'est bon, c'est la cuisine. Une Il y a des cuisine. zombies par contre, dans la cuisine. Ah ouais? Ouais. Deux, j'en vois. Deux, trois, j'en vois. Attends. Ah ouais, trois. Ben surveillez la porte, je vais tuer ceux qui sont là. Deux, Ça, ils sont. trois. Ouh là là, il y en a beaucoup là. On fait d'abord la cuisine discrètement. Ouais, faites-la du. Jeanne, je vais laisser venir un par une. Ok, moi je suis à la cuisine. 4, 4, 4 sont dans la cuisine en fait, c'est un peu beaucoup. Ben laisse-les venir un par un et tue-les par la porte au fur et à mesure. Là où ça dégénère, hein. Je sais pas, moi je suis juste en face, je tire pas pour lui faire trop mal. Il fait mordre. Il faut que je soigne. Attention, ça vient sur vous. C'est bon, mais je suis soignée. T'as pas de Oui. blessure. Infecté? Non, non, c'est bon. Puis je me suis bien stérilisée, donc ça va, ça va. Boîte de cierge. Ah, clé de maison 50. Il y a une clé de maison là, tiens. 500 machin, je sais pas quoi là. Ça.
Y'a que les trucs Farine, farine de maïs. Brandt, vous auriez pas des antidouleurs? Barre de céréales. Attends, je regarde moi si j'ai des anti. Ouais, j'en ai des antidouleurs. Ouais, bon, si. Tu veux les. T'en veux combien? Passe-moi la boîte antidouleurs, c'est bon. Une barre de céréales, Jeanne. Une boîte. Tiens, je t'en passe une. Une barre de céréales, Jeanne, si tu veux manger. Barre de céréales où? Dans un des trucs au milieu, là. Ah oui, j'ai vu. Tout, d'un seul coup. Parce que j'ai faim. Il y a des conserves avec un nouveau boîte. Eva, tu peux cuisiner des plats? Tu peux nous cuisiner un petit plat? Si tu veux. Il y a un nouveau boîte, une tasse, un torchon. Ah, mais il y a une réserve de bouffe, là. Carrément des frigos, là. Oh! Oh ouais, il y a plein de fruits. Ah, Eva, il y a plein de fruits. Fais-nous un bon truc, là. Un truc au congèle. Oui. Des fruits, des légumes, de la viande, il y a plein de trucs, je sais pas. De la bière. Je la prendrai. Je la prends, on la prendra, on la prendra en rentrant dans. On va dire que ça va être notre jour de fête et on la prendra quand. Ah, on est à l'arrière du restaurant. Ah bon? De la semaine là. Où il y a plein de choses. Et quand je n'ai que deux bières, hein. Donc, enfin, on la boit pas maintenant parce que sinon, c'est vrai. De la saucisse et vin. Oui, oui. On s'en fout, je fais un truc vite fait, voilà. Vous êtes où, là? Je suis dans le couloir, surveillé. Papa, t'as fait « Hey !» Ouais, bah, il y a une foule de zombies dehors, là-bas. Près de la bibliothèque, il y a une foule de zombies. Là-bas. Oh, je pourrais tirer. Ouais, mais il va à la cuisine, quand on aura mangé. Oui. Ah voilà, surveiller, c'est bon. Trop de dos. Il nous fait un truc autre chose. Ah, attends, comment on prend les zombies, je ne me rappelle plus. En plus, papa. Ah, il y a des bouteilles vides, mais prenez les bouteilles vides et tout, au moins si on les remplit et tout, moi ça fera de l'eau. Parce que moi là, je crois que j'ai 3 bouteilles hein, avec de l'eau. Je ne me souviens plus comment on prend les zombies. À ramasser le cadavre. Hop. Entends. Un petit creux, genre j'ai envie de manger un truc vite fait. Je vais prendre du beurre. Ah, j'aime pas les bananes. Le zombie m'a vu là. Je dis ça donne un coup de main. Hein. Non, c'est bon ça. Manger. Allons-y, je pense. Là, tu veux du raisin? Il nous reste un demi du raisin. Non, c'est bon, merci. Et j'ai pris deux bières. Il y en a qui a un pistolet 9 mm. Ok. Pas de pistolet? Ah, ben j'ai même 9 mm. Une boîte de munitions, je viens. Bah oui, mais moi j'en ai plein de boîtes de munitions. Enfin, ouais, j'en ai encore deux de boîtes de pistolet 9 mm. Et ben moi, boîte de cartouche de Cal 12, j'en ai aussi deux. Oh là, il y a des zombies. On va laisser venir un par un là. Pourquoi t'as pris le plus sale là? T'aurais dû prendre le plus propre. Grosse dépression, y a pas un truc genre à manger ou à lire ou quoi qui enlève la dépression? Magazine. C'est bien parce qu'ils vont venir un par un par la fenêtre, comme ça on aura qu'à les tuer. Je lis, hein. J'ai fait une grosse dépression alors.
Alors, ça se fait à manger? Je sais rien, mais regarde si ça cuit. Bah, surveille-toi. J'essaye d'éviter de mourir, moi, donc. Mais il était infecté? Non, mais bon, mes tissus se salissent parce que je saigne abondamment. T'avais pas des bandages? Oui, c'est bon, t'inquiète. Bah, Eva, arrête de coucher. Dans ce cas-là, déchirer des tissus, trouver une casserole, faites des bandages stérilisés. Mais j'ai déjà des bandages stérilisés. Mais oui, mais il faut en avoir plus. Mais arrête de bouger, bouge plus. Oh, t'es pénible. Hein. T'en pas ou quoi, bouge. Arrête. Non, mais bouge pas, je t'ai dit. Mais Jeanne, c'est bon, je me suis déjà soignée. Mais arrête de bouger. Elle t'a dit qu'elle s'est soignée. T'as une raison, juste pour voir. Bouge surtout pas. Ah, mais ça va. Ah, bah voilà. Là, je crois qu'elle va dehors. Hein. Mais trop, elle ouvre pas. Mais vous évitez. Si, je pense qu'elle va dehors. C'est un échappatoire pour nous. C'est bon, j'ai stérilisé mes trucs. Bon, allez, c'est bon. Bon, je peux. Ah, il bouge pas. Ah, un zombie qui va dans le couloir, par derrière. Ouais, qu'il faut être prudent. Et c'est bientôt. C'est cuit ? Presque. Ah, des antidépresseurs, tu sais. Ah bah passe-les à Jeanne parce qu'elle est en dépression. T'es en dépression Jeanne? T'as une grosse dépression. Mais tiens, je vais mettre Non non, pose-les par terre ou tu fais. Vas-y. Pose-les quelque part. Ah. N'importe où. Tu me dis où tu l'as posé. Je fais une grosse dépression, c'est tout rouge au-dessus de ma tête là. Bah là, ils sont par terre. D'accord. Alors, lunettes. Non, vers moi là. Ah c'est bon, voilà, un petit dépresseur. Enfin... T'es caché. Ok, ça a fini. Décaché, je sais pas. Ça a je fais une grosse dépression, je suis toujours en grosse dépression. Le truc a fini de cuire, hein, c'est bon. Bah, mets-le sur le. Ah, mais toujours plus, hein! Moi, j'ai plus faim! C'est bon, là! Ah, oh, merci! Ouais, bah, t'es rien. Mais non, mais je suis toujours en grosse dépression, même si j'ai pris des antidépresseurs! Eh ben, attends, tu vas manger. On va manger chacun un quart de la poêle. Mais j'ai déjà. Mon papa, j'ai non, déjà mais... mon poêle! Oui, mais si tu manges mieux qu'à ta faim avec de la bonne nourriture. Ça réduit la dépression, en fait, le plat, là. D'accord. Alors, on mange chacun un quart, et au moins, si quelqu'un a vraiment encore faim, et ben, il mange un autre quart. On fait comme ça. Je vais allumer la lumière. Ça donne des bonus. Il faut te nettoyer, et Jeanne, nettoie le sang qu'il y a sur tes. Tu veux laver tout ce qui est équipé, remarque. Lave tout ce qui est équipé, comme ça, ça ira mieux quand t'es dépression. L'œuf, ben je le garde sur moi. Il est au frigo dans la pièce derrière. Oh. Je peux le mettre dans mon petit. Après, tu auras qu'à laver tout ce qui est équipé sur toi. Ouais, d'accord. Comme ça, ça ira mieux côté dépression.
Je voudrais trouver un moyen d'échapper à la réalité. Il faut que tu lises un journal ou un livre, une revue, un magazine. J'ai déjà lu un magazine, mais ça n'a rien changé. Il y a des livres en plus dedans. Dans la cuisine, il y a des livres. C'était des livres de cuisine. Il y a des livres. Un petit mouscou qui est sur mon nez. Le mouscou. On lavant tout ce qui est sur nous, comme ça au moins on a moins de sang sur nous et ça va mieux. T'es un peu mouillé, mais bon. Il faut aussi se laver nous-mêmes. Ouais, j'ai plein de sang sur moi aussi. Ah oui, pas bête, j'ai pas pensé à ça. Et après, on ira tuer les zombies à l'arme au fusil et tout ça, ce qu'ils sont derrière là. À la bibliothèque, on aura à faire le ménage. 3000 trucs, hein? J'ai plein d'habits et tout. C'est pas grave. Après, faut se laver soi-même, hein. Faut se laver soi-même aussi, faut pas oublier. Allez. Genre, tu sais, des contes et tout pour vraiment échapper à la réalité. Ce serait drôle. Ok, moi je suis ok. Pas moi. Bon, je vais bientôt terminer. Moi je sais pas. Moi je vais, en fait, j'ai plein de choses. Oui, j'ai plusieurs clés d'ici. Ouais, ça y est, moi je suis prêt. Oh, attendez-moi. Non, oh. Papa. On t'attend. Je vérifie le couloir. Papa, je suis certain qu'il y a des zombies, tu vas déclencher un truc. Non, je ferai le couloir. Papa. Je vais aller voir dehors, tiens. Attention. Contrairement à zombie. Ah, non, je me lave moi-même. Donc tu vas être prête. Attends, bientôt fini. Là, je tu te laves à travers le mur, toi. Non, pas du tout, je suis là. Et moi, je te vois à travers le mur. Bon, c'est pas grave. Allez. Allez, mon petit lapin. Allez, va. Il est au fusil? Ah oui, oui, un canard de tout, là. Si, j'ai rien fait, hein. Je recharge. Ah, c'est la perme ici. Ah merde. Salle d'examen. Ouais. Je suis envoyé.
Il y a des livres, tiens, Jeanne, si tu veux échapper à la réalité. Papa, t'inquiète pas, il y a plein de livres. Ah, il y a des clés. Par contre, papa, je vais te dire combien j'ai des clés. Tu sais, papa, en fait, même si c'est pas les vraies clés, et ben, on peut ouvrir quand même. J'ai jeté à l'aide. Personne dehors là. Personne dehors là. Personne dehors là. Tu peux de munitions ? Qui a dit qu'il y avait une munition ? Ah, si, quand même. C'est quoi ce bordel ? C'est quoi comme munition ? Moi, ce que j'ai comme munition, j'ai deux boîtes à cartouches de cal 12 et deux boîtes de munitions de 9 mm, c'est logique parce que. Genre, je prépare mon deuxième chargeur. Enfin, il passe par après. Allez, on y va. Oh, une bande dessinée, Jeanne. Ennui, stress, dépression, tiens. Prends la bande dessinée. Bon. Mais c'est bon, on y va. Allez, dans le tiroir de la à la sortie. Là. Mais laisse-la lire, sa bande dessinée. Marrant. Oh, bracelet d'amitié, attends, j'en viens en enfiler. D'accord. Enfin, non, j'ai pas envie, en fait. Ah, vous m'avez fermé la porte au nez. Je crois qu'on a ouvert la vitre. Non, j'ai enlevé le verre. Ah. Allez, c'est parti. Pourquoi il n'y a pas de lumière dans ce couloir ? On va faire quelle partie maintenant ? On va au côté réfectoire là-bas. On revient vers le réfectoire, ouais. On va revenir par là. Là. Attends, il y a une cour intérieure, la cour de promenade. Attends, dépêche. Mais attendez-moi. Ami, arrête. Pardon. Attends, on n'a pas fait la pièce du fond après le. Ah oui, on a dit quand. Il est pas les... Ah, un zombie là. Il va à la main. Bon, j'ai dit à la main, mais bon. C'est le réfectoire. Ah oui, je peux remonter en haut. Attends, il y en a là. Ah, il y en a aussi là derrière. Si. Oh. Je vais au pistolet, moi. Ah, il y en a deux là. Eva. Quoi? À la main. Ça, deux. Ah, putain, il m'a mordu. Merci. Ça va ? Ouais, mais mes protections qui encaissent. Ok. Il doit y en avoir là, dans la cour de promenade derrière. Non, on peut pas les taper en fait. Attends, il y a une pièce là qu'on n'a pas faite. C'est quoi ? Une bibliothèque. Ah ouais. On va aller à la. Venez par là. On va aller à la cour de promenade. Papa, elle est où ? Ah, là, d'accord. Eva ? Oui, j'arrive, désolé. Allez, à gauche. À gauche en sortant, on va aller à la cour de promenade, en fait. Eva et moi à la main, et Jeanne, toi tu nous couvres au cas où s'il y a besoin. Ok, ok. Il pleut ? Il y en a un peu là. Je ferme la porte, hein. Je ferme la porte si un zombie il arrive, hein. Je peux tirer à travers de côté. Attends, on est tué à la main d'abord, cela.
Mais de l'autre côté, je peux tirer à travers. Oui, vas-y. Oui. Ah. Attends, je vais faire avec mon fusil à pompe, ça sera plus facile. Non, tire au pistolet, gaspille pas le fusil à pompe. Mais... Ah, main gauche, j'ai... main droite, j'ai plus de protection. M'a tout bouffé. Il y en a dans la cour derrière, là. 1, 2, 3, 4, j'ai besoin de votre aide. J'arrive. À la main, on fait mmh. Oui, on tire pas, là. Tranquillement. Ok. C'est nous qui veulent aller à la douche, on est en sécurité ici. Ok, bah vous savez quoi, j'y vais. Vous surveillez bien mon personnage, hein. Oui, vas-y. Ok. On est en sécurité, là. Tire à travers... Je tire à travers, là. Là, il y a un zombie, je peux tirer à travers? Oui, si tu veux. Wouah! Je peux pas... Non, je peux pas tirer à travers de deux trucs. En fait, c'est trop loin. Un zombie. Et... Oh, il y a un truc de camion derrière. Un petit pique-nique. Ah. Bah, t'as faim ou pas? J'ai une grenade à la main, je sais pas comment on la jette. Oui, je t'ai acheté. Je vais lutter quand tu auras une horde. Tu testeras quand il y aura une horde. Moi, je ferai piou piou au cas où. Bon, hein. Je peux avoir deux pistolets. Ah, non, papa, j'ai mis un accessoire. J'ai mis un accessoire. Bah, mm-hmm. Ça s'appelle sangle de munitions et je sais pas à quoi ça sert. Bah, ça te fait recharger plus vite. Réduit le temps de rechargement. Ah, mais cool. Pas stylé. Ben, moi, je l'avais avant. J'ai pas eu sur mon parti. Matraque. C'est mieux qu'à Barban Bostex. Je sais pas comment on balance cette année qu'on aide. Bah, c'est pas grave. Ah, je peux mettre la ceinture, la grenade.
Oula. Ah. Du coup, ça me permettra d'être plus rapide pour mettre la grenade. Ouais, c'est bon. Là, je peux la lancer. Merci. Attends, tu veux faire? Ah, c'est toi? On aura vraiment trouvé des gants parce que. Et moi, j'en ai, mais il n'y a plus qu'une main qui est déchirée. Donc, une main qui est déchirée, une main qui est protégée. J'en ai qui est plus protégée. C'est mieux que rien protéger. Cours, la, peut-être à l'armurerie de l'entrée de la base. Donc j'ai un petit peu courir. Ça va encore entrer à la course. Mais attention, si t'es surchargé, tu risques de te blesser, jeune. Non, il y a écrit charge assez lourde. Il y a écrit vous en portez un peu trop. C'est bon. Ah d'accord. Comment déjà mettre la carte, papa? Ah oui, c'est début, c'est ça. Je l'avais pas mis. C'est un truc qui a une horde là, qui vient. Qu'est-ce que ça nous a tué? Ah! Tu veux de ma recherche? Ah, je suis près de la porte. Mais j'ai soif. Il y a un truc pour boire, il y a un robinet. Où? Près de la porte. Près de la porte, il y a un robinet extérieur. Je commence à avoir chaud. Assieds-toi, on va regarder. Tu fais ça et tu t'assures par terre. Ah, tu t'assois juste devant, il va attendre. Comment on fait pour prendre deux pistolets dans les mains? Deux pistolets. Ah, tu peux pas. On peut pas prendre deux pistolets dans les mains. Ouais, on peut pas. C'est nul. Papa, assieds-toi. Quoi faire? C'est pas moi. Là. Je descends, sinon il y a aucun zombie. Pourquoi il va aller filmer sa douche? Je vais voir. Mais tu y vas toi? Ouais. Donc, tu peux te préparer? J'ai pas encore fini. Big kick. Merci. 4h30. Du matin. Non, projet de zomboïde. D'aller aux toilettes. Je vais aux toilettes, papa. Assieds-toi près de nous. Hein?
Ouais, bah geek, en fait, je fais pas trop attention. J'étais concentré, je regardais même pas le chat. Mais bon, ouais, c'est cool. On s'est amusé à défoncer du zombie à gaver. Dans la prison, ça détend. Bon, j'espère que le breton, il a été content tout à l'heure de la préparation. Au moins vendredi déjà, ils seront déjà bien immergés, c'est bien. Bon. Par contre, ça perturbe, la vraie vue perturbe, hein. Perd du temps. Là, on a nettoyé quasiment la totalité de la prison. On a fait toute une part, toute la partie des cellules de ce côté, il nous reste ça. Partie des cellules de l'autre côté. Je crois qu'on a fait tout l'administratif aussi. C'est une version avec plein de mods. J'ai une trentaine de mods, je crois. Même plus, du coup, on a plus d'armes, plus de matériel, plus de choses. Des nouvelles zones, des. On peut creuser des puits, on peut faire des panneaux, enfin, des panneaux solaires, mais bon, le panneau solaire il marche pas. Donc, je sais pas si ça marche, hein, maintenant parce qu'ils ont été. Ils sont pas à jour à la nouvelle version, donc je sais pas s'ils marchent encore. Mais vraiment plein de véhicules en plus, plein de trucs, donc ça rend le jeu beaucoup plus sympa. À côté armes, il y a plein d'armes, plein de nouvelles armures, plein de nouveaux matériels. Tu prends mon fusil, un scope, une ceinture, une sangle à 3 points qui fait que ça réduit le poids, le laser qui permet de mieux. Mieux viser, comment t'as visé, le compensateur là, qui réduit aussi qu'améliore la visée. Tu peux faire énormément de trucs. Des nouvelles armes aussi. Armes à main aussi, il y a des grenades là. Une grenade. Il est bien ce jeu, j'aime bien, tu peux tout démonter, tout déplacer, tout remonter, construire. Mon jeu de survie, il est hyper complet, tu dois tout apprendre à faire en fait. Au fur et à mesure, ton personnage, il prend de l'expérience. Niveau protection, je suis pas mal protégé. J'aime bien. J'ai les lunettes de Splinter Cell, vision nocturne. J'ai le casque de Killa de Tarkov, des trucs comme ça qu'ils ont introduit des choses. Du côté personnages sont plus sympas, ils sont plus agréables à regarder. Puis avec la fibre, tu peux héberger tranquillement.
Bon, bah, je vais me faire la prison tout seul. Hein. Fait un carnage. On a fait des choses. Fait cellule. Hein? C'est qui ça? Nouveau zombie. T'es où, papa? Ah, je suis reparti à l'intérieur parce que vous arriviez pas. Ouais, bah, j'en avais à la douche, donc faut attendre maintenant. Ouais, je sais. Donc, je suis juste à l'intérieur. Okay. Parti voir un peu. On n'a pas visité les vestiaires, voir s'il y a du matos. Ah oui! Ah, mais Jeanne, elle voulait des gants. Il y a des gants là dans les vestiaires. Ah bah, prends-lui. Ah, mais on passera les récupérer. Il y a plein de matériel dans les vestiaires. Les protections, les genouillères, coudières là, si vous en avez qui sont abîmées. Si on va mettre une sacoche de cuisse. En plus. Est-ce que je peux mettre une par cuisse? Non, c'est qu'une seule part. Donc il y a des trucs. Il y a plein de... Des protections qui sont abîmées. Ouais, c'est les épaulettes qui sont abîmées. Trop des épaulettes. Épaulettes, genouillère, coudière, je mets des neuves. Dans la vestiaire, il y a tout plein de matériel. Ah non, mais... Il nous reste les cellules de l'autre côté à faire. Mmh. Et peut-être des pièces.
pièce administrative. Des nouveaux zombies. Ils sont revenus, ces zombies. Il est où ce zombie? Alors... Ça a l'air bien ça. Il y a toutes les cellules de l'autre côté en fait, qui sont blindées de zombies. Mmh. Il y en a un paquet. Ah oui, ils ont chacune leur ordi. Ouais. Avec des 1070, elles sont bien équipées. Il y a tellement de zombies qu'il va falloir rentrer dans les cellules et les faire au fusil là. Ouais, elles ont chacune leur ordi. Mais bon, pour les jeux en réseau, c'est avec moi. C'est plus tranquille. Moins de risques de bêtises. Elles sont sur Discord et tout, hein. Attention. Ça elles connaissent, hein. Bon, on peut repartir ou pas là? Mais attends, elle est encore à la douche. Hein? Donc on passera dans le vestiaire pour récupérer si vous voulez des protections neuves. Ok. Des genouillères, coudières, épaulettes. Pour avoir des toutes neuves. Il y a des gants aussi. Il y a des gants aussi pour elle, pour protéger les miens. Oh, les miens sont abîmés, mais bon, elle n'a pas de gants. Elle. On pourra lui fournir des gants. Ah, j'aimerais pouvoir zoomer un peu plus, c'est dommage.
posé un livre par terre? Ah non, c'est une revue pour apprendre des trucs. La revue pour apprendre à faire les panneaux solaires. Ça. Recette enseignée, les batteries, les panneaux solaires, les chargeurs. Attends. Ah, cataplasme de plantain, cataplasme à l'ail sauvage, cataplasme à la coussoude. Donc il faut un mortier et un pilon. Ouais, comment on fait ça? Fil de fer, on fabrique les panneaux de grillage. C'est vrai qu'on peut fabriquer ça aussi. Mettre en boîte. Oui. Ah, c'est bon? Ok, c'est bon. C'est fini? Oui, c'est fini. C'est bon, on peut y aller. Ok, allez. On va passer par le... J'ai trouvé une pièce où pourra... il y a des gants, Jeanne. Genre des vrais gants qui protègent? Ouais. Et des genouilles. Tu les as mis? Mais non, je les ai pas pris. Je les ai laissés exprès pour toi. Ah. Il y a genouillère, coudière, épaulette aussi. Pour voir des trucs neufs, pour des protections moi, neuves. J'ai pas contre les coudes en fait. J'ai pas les coudes en fait. Eh bah ben tiens, ah non, c'est pas là. C'est. Un vestiaire qu'on a trouvé tout à l'heure. Ah non, il est pas là. L'autre côté, l'autre côté. Faut passer de l'autre côté, je suis bête. Non, quand on en est en rond. Attends, on a pas fait ce couloir, non? Non, on l'a pas fait. Mais on passe par là. Ça mènera au même endroit, mais en... Ah si, cette pièce, on l'avait faite. Ah bien, ça peut pas sortir. Par là, on va remonter par là. C'est pas la pièce. On va venir par là. Tout ça, je l'ai nettoyé. En attendant, le vestiaire qui est là. Là, dans les armoires, il y a tout ce qu'il faut. Chercher, il y a des épaulettes, des coudières. Il y a des gants aussi. Alors, les gants, ils s'appellent. C'est fait. Là j'ai épaulette, coudière, de ce côté. Qu'est-ce que c'est? Oh bah je ressemble à Eva maintenant. Ah bah merci. Attends, je vais mettre ça. Vas-y, ce que... Mais c'est ce que t'as en plus là maintenant. Vas-y, ah ouais. Tourne-toi. Ouais ouais, c'est ce que j'ai. Bah alors je vais mettre le truc. Je vais mettre l'autre truc, attends. Bah mets-le, c'est pas grave, hein, je m'en fous. Non, 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 mais je... l'autre truc, c'est pareil.
fait, tout est pareil, même le truc militaire, en fait, tout est pareil. Notre rival est en train d'avancer sur moi, là. Enfin, je l'ai déjà. Ah non, je De quoi? voulais un filet, Mais il y en a d'autres, tous les caissons, il y a les mêmes choses. Là, les SWAT finger, tu les as trouvés les gants, Jeanne? tu m'as pris? Il y a ici, là, il y en a là, viens là où je suis, moi, de l'autre côté. Dans le premier truc, il y en avait. Il y a ici, là. C'est les SWAT fingerless Kevlar glove. Gloves, pardon. Wow, quel accent anglais magnifique. Tu les as On trouvés? fait moins de morsures, moins de résistance et tout, hein. T'as bien Non, pris les gants? les... Oui, j'ai bien pris les... Hein? D'accord. Ah bah, ça me protège plus, mais ça fait moins de dégratignures, je comprends pas Oui, pourquoi... mais ils sont neufs. Comme ils sont neufs. Il y a les plus... Non, mais parce que j'ai... En fait, regarde. Ah oui, mais non, Il y a la, ah oui, la SWAT Leg Pouch, c'est une. Vous pouvez la mettre. C'est une sacoche qui se met à la cuisse. Pour en mettre une. de quoi? La Changer. SWAT Leg Pouch. Et ça se trouve où, ça? Il y en a un peu partout. Ouais. Je suis peur de ma santé. En vrai, regarde, genre, il y a une nouvelle veste. Ah, mais t'as où t'as trouvé le bas? Le bas, il est meilleur? Ouais. Ah, mais il est où, il est où, là? J'en sais rien, dans un des trucs. Attends, je crois qu'il y a un... Ah, ça peut mettre plus de trucs? Il y a nouveau, le gilet pare-balles militaire, il est pourri. En fait, je le trouve là. Hein. Ouais, d'accord. Viens, t'as trouvé tes gants ou pas? Parce que j'en ai trouvé pour toi là s'il faut. Non, t'inquiète pas, j'ai trouvé. Hein. Ok. Eva, ça s'appelle comment ton truc? J'en sais rien. Voilà, il y en a la Riot Full Kevlar Gloves, il y en a là. T'as le dernier. Ah, le pantalon, c'est bon, j'ai trouvé. Ah, Il non, y a c'est... deux gants, deux paires de gants neufs là, je vais les prendre dans mon sac à dos. Moi j'ai presque, j'ai carrément plus de place. Je fais 17 kilos là. Il faut pas que je cours sinon je vais mourir. Je suis à lourde charge. Si j'ai mis la protection du SWAT lourde. Ah. Je suis en protection à 100%. Bras, haut du torse, ventre, tête, cou. Les pieds 75 à 100%, les avant-bras 75%, 95 les mains. Voilà, je suis surblindé là. Bon, on y Double va? austère. Ouais, mais un double austère ça permet de mettre deux pistolets, mais en fait. C'est la même chose, alors deux... en fait, c'est la même chose de un austère et un austère. Ça sert à rien. Par contre, il y a les ceintures là. Si vous avez une ceinture qui fait que deux. Vous prenez une Mais police. genre, le pantalon noir, mais où vous l'avez trouvé, genre, c'est ça? Vous l'avez trouvé où? C'est un pantalon du SWAT. Comment? Pendant le combat, il y a marqué. Oui, il y a écrit Trevor is combat paint. SWAT combat paint. Bah oui, mais moi, pourquoi il y a un militaire? Il y a un bug! On s'en fout. Parce que toi, c'est la version militaire. C'est plus Non, cool. pas du tout. Non, c'est noir. C'est noir. Bah, tu veux le Allez. mien? Mais attends, papa! Regarde! Regardez, va, c'est pas normal. Vous regardez, c'est le même. Regardez. Posé par terre, je le pose par terre. Bah non, c'est pas du tout celui-ci que j'ai, moi. Ah bon? Bah C'est oui, quoi? faut bien qu'il n'y ait pas marqué SWAT dessus.
Ah, faut qu'il y ait fixe what? Oh, attends, j'en trouve un. Il y en a dans les armoires. Oui. Bon, entraînez pas trop parce qu'il y a Là, 500... Jeanne. Jeanne, là. Il y a 500 zombies qui nous Je te le mets attendent. par terre, je te le mets par terre. Bon, ben, merci, hein. Ah! Ah, oui, là, je vois. Mince. Oh, je suis bête. On y va? Ah ouais? Là. Oh mince. Allez, on va faire les... Attendez-moi 2 minutes, 2 minutes. Je change un casque. J'ai un casque là. Enfilé. 2 minutes, hein. Voilà. Allez, hein. Moi je peux pas courir parce que je suis Ah, trop bleu. papa, il y avait des gilets pare-balles, mais en SWAT, et ça résistait mieux. Et peut-être parce que vous avez beaucoup de trucs abîmés. Ah, mais papa, tu vois bien qu'il n'a pas un gilet Allez, pare-balles, mais. mettez-vous devant une fenêtre chacune. Et on tire? On va les laisser venir. Attends, je casse la vitre. Ah, mince. Voilà. On enlève le verre. Si jamais tu passes au travers, tu vas te blesser. Oui. On attend qu'ils approchent. Mais c'est où on était? Ah non. Oh, j'ai tiré au hasard. Allez, on va rentrer. Attention parce qu'il y en a un aussi qui risque d'être en haut, faites attention. Qui peut nous arriver dans le dos par les escaliers. Il y en a également qui tombent du plafond, faites gaffe. Je recharge. Il y en a qui sont dehors. Qui frappe au feu. Oh, parce que ça tombe derrière. Non? Ah. Si. Ouais, ils tombent, ils disparaissent. Non, ils disparaissent. Ouais, ils tombent, ils disparaissent et après ils se relèvent. Faire gaffe. Ah ouais, c'est chelou ça. Ils se relèvent plus tard, mais en vrai, quand tu les vois tomber, tu décides de tirer en fait. Quand tu les vois tomber, bon, ben on s'occupe des portes ou on monte d'abord. On monte, on prend les escaliers d'abord. On fait tous ceux qui peuvent nous arriver dessus. Derrière, bon, bah, on fait les portes. En haut d'abord. Attends, on va aller voir en haut d'abord. Attention à cette pièce là. Bon allez, on y retourne. On va être obligé d'ouvrir les portes une par une et de les tuer parce que on peut pas tirer à travers la porte. Hein. Hein? Quelqu'un ouvre la porte. Je tire. On
recule, avec la tour et tu recules. Voilà, c'est cool. Allez, on fait des cellules. On fait des cellules comme ça, celle qui a besoin de nettoyer, on fait tout comme ça. Pas trop vite, attends que je sois en place, Eva. Ah, désolé. Ouais, pour être sûr que. Voilà. Parce que là, il y en a aussi. Ah, aussi. On va redescendre, on va aller faire les derniers. J'ai vu là, on y va. Allez, on va aller faire ceux qui sont fermés en bas. Attention qu'il n'y en ait pas d'autres. Allez, on commence par là. On vient d'abord là. On commence par ce côté-là. Ah, là, c'est ce dehors qui tape à la porte. Safe. C'est bon. Safe. Il y en a deux. Alors attends. Je me prête à tirer, papa. Tu sens pas toi aussi à tirer? Safe. Et là, il y en a un. Il va. Je te tire, papa. Ok. On vérifie qu'il n'y a pas. Ah, là. Là, c'est à la vitre. Ouais, ils sont dehors. On s'en fout. C'est bon, tu vas dehors. Bon, on fait quoi? On retourne à la voiture et... On va passer par les couloirs un peu à l'intérieur pour voir si on a rien oublié. Je suis sûr qu'il y a encore plein de zombies, hein. On a encore oublié plein de pièces, hein. On n'a pas tout fait. On sort. Hein, pas. Je bois. Loup. Ah oui, bonne idée. Moi aussi, tiens. Oh, on est méga classe. On est encore plus classe qu'avant, en fait. Attends, c'est quoi ça? Oh, une plaque en métal. Allez. Pas laisse-moi tirer. Pfff, vous laissez même pas tirer. Parce que les chemins de ronde qu'on n'a pas fait. Putain, fuis! C'est pas bien s'enfuir, hein? C'est tout? Peu de quoi? Derrière, attends une minute. Ah, trop loin. Je recharge. Tu recharges. Ah, nos véhicules sont là-bas. Mais... T'as la fenêtre là-bas. Ah mais non, que je suis bête. C'est bon? Tour! On n'a pas parti là de la prison, non? À partir à gauche. Si. C'est ouais. Les cuisines, tout ça, mais on va ressortir par là-bas, on va prendre le véhicule des SWAT. On va le ramener à la base. Et l'autre... Papa, l'autre véhicule, on l'abandonne? Mais non, on doit tout remettre dans le... Mais non, on prend le camion du SWAT, on va aller près de l'entrée. On va vider l'armurerie pour la mettre dans le véhicule. Et papa... Tu vois la voiture qu'on a laissée, ben on la prendra, on transférera tout. Non mais on la garde, elle est super cool. Non, on la garde la voiture. Elle est super cool, on la garde. Oui, attends, on l'a. Elle est complètement défoncée. Mais non, on la ramène à la base. On la répare, ouais. C'est bon. Et bah tu conduis. Ouais, t'inquiète.
Entre là, je me mettrai avec papa. Ah bah sympa. Et bah tu prendras le véhicule blindé. Ouais. Non, tu prendras le véhicule cassé, au moins tu casseras plus. Ouais, tu éviteras super. d'abîmer l'autre. Attends, on va voir si on a Sortez-moi fait. là! Ah, Ça. vous m'entendez pas? Ça, on l'a fait, c'est bon. On va passer aux cuisines, on va repasser par les cuisines pour partir avec le véhicule du SWAT. Ah, je... ah Et... oui, c'est vrai. On est pas, hein. Il y en a qui tape, je sais pas où là. Ah, il y a une dame là. Bah, tu l'as à la main. Ah, mais elle est rentrée, pourquoi? Passe pas par-dessus, tu vas t'abîmer tes gants. T'as pas enlevé le verre brisé? Mais il crée. C'est bon, tout va bien. Passez pas par les fenêtres si le verre brisé n'est pas enlevé. Vous abîmez Oui. vos protections. Ouais, je sais, je sais. Allez, on Je peux remonte. à peine marcher en fait, je peux à peine marcher, tu vois bien qu'Eva me double large. Ah bah oui, on est passé par la laverie. Mais attendez-moi, je peux à peine marcher. Oui, on t'attend. Qu'est-ce qu'il y a dans ces étagères? Est-ce qu'il y a un truc intéressant? Non, rien. Ouais, c'est bon. Allez, au véhicule SWAT. Papa, tu prends le véhicule, toi, t'es va prendre le véhicule. Non, non, mais on va tous dans le véhicule SWAT. Oui, pour le moment. Oui, pour le moment. Ah, qu'est-ce que je fais? Je vais faire le tour. La deuxième place. Je change vers la première place. Ça passe ou pas? Le pire créneau du monde. Ah mais tu connais la voiture police, mais comment elle bouge la voiture? Pense à éteindre le moteur par contre. Tu me diras quand tu seras à bord. Oh bon? non! C'est Oui, bon? c'est bon. Je suis derrière. Si vous voulez, on peut les tuer si vous voulez vous amuser. Non, non, non! Ah ouais, vas-y! Ouais. Allez. On va s'amuser. Tire aux zombies. Hey, mais c'est pas du jeu! Je vais mourir. Allez. On va aller voir s'il y en a par là. On va tuer. On va tuer quand même. Ah, ça sert à rien. Et s'il est pas vert, tirez pas. Ah, vous voyez pas. Attends, je vais voir moi aussi. Non, on peut pas le tuer celui-là, je sais pas pourquoi.
Il a un problème celui-là. Bon, c'est pas grave. J'ai un bug avec mon arme. Non, non, c'est que celui-là, on peut pas le tuer, mais moi j'ai.
On a déjà beaucoup. Prends le bouclier. Parce qu'en fait, le véhicule du SWAT, je me rends compte qu'il a pas de. Mon pack. Il a un coffre à 60 seulement. Ah bah je mets Ah, des zombies là. Ils sont arrivés d'où, c'est con? c'est trop clair. Moi je protège. Ah ouais, peut-être je vais me prendre un pistolet. Peut-être je vais me prendre une autre arme que je peux attacher à mon holster. Alors attends, capacité 38 ce sac là. Et celui que j'ai actuellement, il a une capacité de combien? Tiens, pas super, hein. Sinon, ah, 38 aussi. C'est le même type de. Oh, 5% de dégâts. Si vous avez un genre un pistolet qui est genre si vous voyez un pistolet qui fait 100% de dégâts, vous me dites hein. Mais Enfin, regarde. 100% qui fait beaucoup de dégâts. En fait, il y a pas de pistolet qui fait beaucoup de dégâts. Un petit pistolet, et ça c'est mon dire. Ouais, il fait moitié de l'acheter à gauche. Et ça s'appelle. Ah ouais, je prends de la vie, tiens. Oh non, non. Moi je peux pas le mettre dans mon âge. Ah non, je suis vraiment en train de mourir. C'est ma mère, je peux pas le mettre. Ah, c'est bon, j'ai arrêté de mourir. Ah oui, ah, d'accord. En fait, j'étais beaucoup trop lourd parce que j'avais la protection. Ça s'appelle un Antimas P14 tiré J'avais la 900 protection secondes. de Papa, démineur au taquet. tu sais ce que c'est que. Attends, peut-être c'est ce chargeur. Attends. Exagéré en fait. Je peux rien prendre. Oh non, je suis 38 sur 38 quand même. Là, j'ai tout ça pour garder au cas où. Alors attends, Ouais, c'est ce je te prends les caisses de munitions de 12 mm, parce que toi, jeune, pour ton arme. que oui, mais pas que en fait. Genre, j'ai un pistolet. Il s'appelle. Attends. Il s'appelle Para Ordnance P14 tiré 1911. Un P14 1911. C'est un mode, voilà, on sait pas ce que c'est non plus. Oui, mais c'est quoi comme. Quoi comme. C'est un pistolet. Je veux dire, c'est quoi comme chargeur? Je sais pas, faut que je vois le calibre, faudra que tu me donnes l'arme, que je vois ce qu'il faut dedans. Quand, tiens, je te la pose. Non mais, on verra ça après. Et après, je... Non, Parce que je suis en train. non, non. Bah, tiens, je te la pose pour toi, elle est juste au moment là. En fait, je vais faire pareil, s'il y a un sac, pourquoi je vais le mettre à côté de moi. Alors, Au bout d'une mesure, je suis dedans. Oh, il est trop beau, il est blanc. Hein. Et l'autre, bah, logiquement, il est bleu. attends. Ah, capacité 22. Bon, ben. Là, c'est l'objet, là. Hein.
C'est capacité 22 là, alors autant de temps. C'est tombé. Parce que l'autre il est 18. Il est où son chargeur? Ah ouais, j'avoue, j'ai pas de chargeur. Bref, je gère. Je crois que c'est du 9 mm ton truc là. Ah bon? Bah j'ai essayé, bah ça a pas marché. Il y a 30 balles dedans, attends. Je crois que c'est ça. Attends, je suis en train de voir si c'est ça, mais je crois que c'est ça. Pas de 45. Ah non, c'est du 45 ACP. Chargeur. Ah, il faut trouver un chargeur de 45. Ok. Ah, c'est bon, j'en ai trouvé un, je crois. 45. Pose-le par terre. Oui, pose-le par terre pour voir. Prendre une. Et je vais. Ah, attends. Je vais voir. Je vais le prendre. Attends, je vais le prendre. Mince. Il est par terre. Ok. Alors, attends. Il a écrit 45, alors c'est avec ça. Ouais, c'est bon. Il va dans l'arme. Alors, tu peux le poser maintenant par terre? Et il y a une autre arme avec un autre chargeur, tu auras deux chargeurs. Tiens, je te mets le chargeur par terre. Et je te mets l'arme avec un chargeur déjà dedans chargé aussi, tiens. Alors je vais me cacher au gauche. Plus d'armes de duel en fait, parce qu'en fait je suis tellement lourde. Attends. Bon allez papa, on y va. Ah oui, bah oui, dans mon hôtel j'ai encore plein de place. Attends, je vais voir s'il y a des trucs à prendre encore intéressants. Je me suis en train de blesser. Attends, je remplis les sacs. Allez, je reviens, j'ai deux sacs pleins là, que je porte. Ah, il est là, d'accord. J'ai deux sacs pleins que je porte, plus plein de matériel sur moi. On arrive. Alors... Ah merde, je peux pas mettre le... Alors attends. Je vais mettre les sacs merci dans les sièges du véhicule. Attends, je veux des 45 maintenant. Je prends des munitions, hein. Voilà, si ça me dérange pas, je prends des munitions. Attends. Voilà. Ça droit. Attends. Je mets les sacs. Et bon, regarde, j'ai deux. Genre, je veux pas juste avoir. En vrai, je suis tellement lourde. Ah merde, le sac il est trop gros, il va même pas dans. Je peux même pas le mettre sur les fauteuils. Ah si, c'est bon, il est passé. Mais je suis trop lourde. J'ai soif. Wow. Comment tu t'es rangé? On va manger? Ouais. T'as pas la base ou on se déconnecte ici? Il y a ce qu'on va faire, c'est qu'on va se déconnecter. Si. Ouais. Encore se retrouver un cercle de zombies?
Bah. En vrai, ici, on peut pas mettre les voitures comme ça, en carré. Au moins, ça safe. Mettre les voitures en carré. Eva, mets le pick-up. En fait, tu sais, genre, on met la voiture ici, là, ici. On met une voiture ici, ici, on referme, ouais. Tu sais. Ouais, ouais, attends. Le plus court possible. Attends. Je vais le faire. Non, mais on va faire un carré là-dehors, là. Il y a du grillage, là. Ouais, mais il faut quand même le camion de SWAT. Oui, oui, deux secondes. Mettez-moi le contre le grillage à la cu. Non, laisse-moi le camion bleu, Eva, Jeanne. Tout ça, c'est pas moi qui ai le camion bleu. Hein? C'est moi. Alors attends, on va mettre le camion bleu. Le pick-up, tu mettras sur la route pour le départ. Ah mince, putain, le camion. Ok, le camion. Le SWAT, Jeanne, je vais m'en occuper, pousse-toi. Non mais je vais m'en occuper, Jeanne. Eva. Oui, Eva, qui c'est qui est au SWAT? Qui c'est qui est au SWAT? Je peux pas faire mon créneau, Eva. Stop, sors du SWAT. Je pouvais pas faire mon créneau à cause de toi là, on doit mais non, mais on va pas le mettre là, il y aurait pas assez de place. Mince. On va faire autrement. Oh bah pas Eva. Est-ce qu'il y a moyen d'aller chercher un autre véhicule sinon? J'y vais. La voiture. Ok. C'est en fait la truc de police. Ouais. Elle marche pas. Oui, j'ai dit. Non, mais on n'arrive pas. Là, une voiture. Oui. Tu l'as démarré la voiture, je crois, non? C'est bon. Bah, tu viens, tu. On va se mettre dans le truc du SWAT là. On rentre à l'intérieur du dispositif. Allez, Jeanne! Eva, tu gareras la voiture, après tu sortiras par la. Ah ouais, t'inquiète. C'est moi qui ai eu l'idée de faire ça, hein. C'est pas bête. Vérifier qu'on peut pas sortir. Pense à couper le moteur. Bon, c'est bon, ça passe nulle part. Tu te mets sur la place à côté, puis tu sors nous rejoindre. Et voilà. Allez, vous pouvez déconnecter. Ok. Pris une photo. Ah, j'ai déconnecté, désolé. C'est bon? Oui. T'as pris quand même une photo. T'as réussi à prendre une photo? Mmh. Cool. Bon ben, bref. Voilà. Allez, on va arrêter là.